Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 29 avril. La passion perdue. Le mot n'est pas la chose. Le mot passion n'est pas la passion. Mais avoir de la passion, être passionné sans volonté délibérée, sans directive ni intention, être à l'écoute de cette chose qui s'appelle le désir, écouter vos propres désirs, tous ces désirs multiples qui vous animent, des plus forts aux plus ténus. Si vous faites cette expérience, alors vous verrez l'immensité des dégâts que vous causez quand vous réprimez le désir, quand vous le détournez, quand vous voulez le satisfaire, quand vous voulez y toucher, quand vous avez une opinion à son sujet. La plupart des gens ont perdu cette passion. On l'avait sans doute au temps de sa jeunesse, ce désir de devenir riche, célèbre, de mener une existence bourgeoise, d'être un homme respectable, même si ce désir n'était peut-être rien qu'un vague balbutiement. Or la société, qui est ce que vous êtes, refoule tout cela. Et donc, il faut que l'on s'adapte à vous, qui êtes mort, qui êtes respectable, qui êtes dépourvu de la moindre étincelle de passion. Alors on fait partie de vous, et c'est ainsi qu'on perd cette passion.